Hello, comment ça va? Vous allez Bien. bien? Moi, ça va bien. Ça va bien. Il y a une belle journée en perspective. Il y a une très belle journée en perspective. Ah, j'ai mis la petite casquette là. Je suis un peu rétro là, pour ceux qui se souviennent. Je fais pas de pub, hein, mais bon. Écoute, on essaye de garder un peu le style, malgré tout. Bon, écoutez, je vais vous parler aujourd'hui d'un petit sujet qui peut concerner pas mal d'entrepreneurs. C'est le dépôt de sa marque, et notamment le dépôt de sa marque en Afrique. Bon, avant ça, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, hein. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos intéressantes, vraiment, qui pourraient changer votre vie. Franchement, sans prétention, hein. Sans prétention. Donc, pourquoi le dépôt de la marque est important? Le dépôt de la marque est important. Pourquoi? Parce que on néglige souvent l'aspect propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est tout ce qui sort de votre tête en réalité. C'est-à-dire que lorsque vous faites de la musique, lorsque vous avez des dessins, lorsque vous avez des créations, et que c'est quelque chose que vous estimez avoir beaucoup de valeur, vraiment, faites tout pour protéger cela. Parce que bon, écoutez, vous connaissez les hommes, hein. S'il a la possibilité de ne pas se casser la tête et de voler un projet, de voler une idée, de voler un concept, de voler une marque, écoutez, cette personne le fera. Donc, il y a des gens sans état d'âme. Hein. Voilà. Mais je vous montrerai aussi que pourquoi c'est pas forcément une mauvaise chose de se faire copier. Donc, protéger sa marque. Comment moi j'ai protégé ma marque? La première des choses lorsque j'ai créé mon entreprise, moi j'ai créé mon entreprise, j'étais à Paris, j'ai commencé avec combien? 2500 dollars, à peu près 1 million 5, on va dire, 1 million 5 d'économies. Et la moitié de cet argent, je l'ai consacré au dépôt de ma marque. Je l'ai consacré au dépôt de ma marque, ça, même s'il n'y avait aucun produit sur le marché, aucun. Je n'avais aucun prototype, rien du tout. Mais je croyais tellement à mon projet, je croyais tellement à mon concept, je croyais tellement au nom Madeleine Casalis que j'ai inventé. Le logo, moi-même, je l'ai dessiné. Tout le concept autour de Madeleine Casalis, je l'ai créé. Et je croyais tellement en ça que je me suis dit, non, il faut que je dépose ça. Franchement, parce que c'est une idée, je ne vais pas dire géniale, mais c'est quelque chose d'original. Vous composez de la musique, je compose de la musique. À un moment, il y a aussi une protection de ça. Il y a des moyens de se protéger. Mais peut-être je ferai une autre vidéo plus tard sur justement la protection des droits d'auteur et compagnie. Mais moi, j'ai créé, donc quand j'étais en France, j'ai d'abord déposé ma marque à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Voilà, je pense que c'est un formulaire en ligne. On remplit ce formulaire en ligne. On joint également les dessins parce que moi j'avais un dessin, un logo et on essaie de protéger. Et pour protéger sa marque, il faut pouvoir choisir des classes parce que il y a différents types de classes dans le choix de sa marque. Une classe, c'est quoi? Une classe, c'est une catégorie de produits. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une marque, comment dire, une classe peut-être qui concerne les vêtements. On va vous citer par exemple dans la classe, on va vous citer. Les pantalons, les chemises, les casquettes, on va vous citer plein de choses comme ça qui appartiennent à cette classe. Donc, lorsque vous allez déposer votre marque, vous allez déposer par rapport à la classe que vous avez choisie. Bon, vous pouvez prendre bien évidemment plusieurs classes. Par exemple, Madeleine Casalis a été déposée dans beaucoup, beaucoup de classes. Voilà, je vous dirai pas lesquelles, hein, petit filou, je vous dirai pas lesquelles, mais naturellement, on a déposé la marque dans la classe, déjà dans la classe de la beauté. Enfin, il y a certaines choses, par exemple, produits nettoyants, lait de toilette, crème, etc., etc. Voilà. Pourquoi on parle de classe? Parce que si vous, par exemple, vous créez une marque qui s'appelle Toto, et que Toto, vous avez déposé votre marque dans la beauté. Et vous appelez votre truc Toto Cosmetics, par exemple. Toto Cosmetics. Et quelqu'un d'autre peut déposer cette marque pour je sais pas, pour la boisson. Toto Drinks, par exemple. Si vous n'avez pas déposé dans la classe qui concerne les boissons, les spiritueux, etc.
Bah, écoutez, si demain votre marque devient connue, etc., ça pourra entrer un peu en conflit avec votre image de marque. Si vous avez un bar qui s'appelle, bon, Toto Bar, on s'en fout un peu, mais si vous avez un bar, par exemple, vous avez un nom original et que ce nom se retrouve sur l'enseigne d'un bar, si la personne a déposé dans, pour cette classe, ben, cette personne a le droit d'exploiter cette marque. Cette personne a le droit d'exploiter cette marque. À partir du moment où, justement, ça ne parasite pas, je pense qu'il y a quand même des subtilités, ça ne parasite peut-être pas l'action. Voilà, de certaines marques. Parce qu'il y a par exemple des marques notoires. Les marques notoires, c'est quoi? Ce sont des marques qui sont très connues. Tu n'as même pas besoin de... Enfin, ce sont des marques déposées. Par exemple, Coca-Cola est une marque notoire. Et tellement cette marque, elle est connue, que ce soit Samsung, que ce soit Apple, que ce soit Coca, que ce soit des grosses, grosses marques, tellement ce sont des marques connues, ou JP Morgan. Tu ne peux pas venir appeler ton bar JP Morgan Chase. Tu ne peux pas venir appeler ta boisson, ton jus de Foléré ou ton vin de palme JP Morgan Chase. Tu ne peux pas appeler ça parce que ce sont des marques qui sont déjà très connues, qui ont déjà une réputation. Voilà. Mais bon, pour arriver à ce stade où ton bar Louis Vuitton, pour arriver à ce stade, il y a quand même des étapes. Il y a des centaines d'années ou des... Je ne sais pas. Ce sont des marques qui ont fait leurs preuves et qui sont arrivées à un certain niveau. Donc, moi, j'ai déposé pour certaines classes. Donc, bon, avant de déposer cela, il faut pouvoir faire des recherches d'antériorité pour certaines. Surtout pour des noms qui sont évidents. Je sais que certaines personnes, lorsqu'elles créent des marques, elles se disent, oh non, moi, je suis la seule personne à avoir pensé à ce nom. Personne d'autre n'a pensé à ce nom. Ben, détrompez-vous. On a tous un cerveau, on a tous des idées. Il y a peut-être quelqu'un en Chine, quelqu'un en Inde, quelqu'un je ne sais pas où. Des gens ont déjà eu à penser ou avoir... vous pensez souvent que vos prénoms ou vos choses que vous donnez sont originales. Mais ce n'est pas forcément le cas. Hein. Ce n'est pas forcément le cas. Donc, si le nom de votre marque peut être assez courant, etc., je vous conseille de faire une recherche d'antériorité. Une recherche d'antériorité, c'est quoi? C'est chercher auprès des organismes, justement... si cette marque n'existe pas déjà. C'est-à-dire si quelqu'un n'a pas déjà déposé cette marque. Voilà. Si quelqu'un n'a pas déjà déposé cette marque, parce que vous pouvez avoir une très mauvaise surprise. Vous avez fait tout votre branding, tout votre charte graphique, toute votre stratégie basée sur quelque chose. Et lorsque vous allez vous présenter aux autorités pour déposer votre marque, on va vous dire que, mais écoutez, votre marque existe déjà. Quelqu'un a déjà déposé. Monsieur Dupont, je ne sais pas qui, a déjà déposé cette marque en 1970. Même s'il n'exploite pas, la marque est déjà déposée. Voilà. Il faut aussi, il y a plusieurs précisions aussi. Voilà. Il y a une question aussi de territorialité. Voilà. Par exemple, l'INPI, je pense que, bon, les choses ont un peu évolué depuis, hein, mais il peut y avoir un dépôt de marque à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle d'un pays. Il peut avoir un dépôt de marque. Par exemple, moi, j'ai déposé également ma marque à l'OAPI, l'organisme africain de la propriété intellectuelle, qui regroupe à peu près une vingtaine de pays. C'est-à-dire que ma marque est déposée et protégée dans tous ces pays. Dans tous ces pays. Voilà. Maintenant, il y a des accords qui peuvent exister entre certaines structures justement de propriété intellectuelle et d'autres structures ailleurs, des accords de réciprocité ou bien ce genre de choses. Donc il faut savoir que le prix du dépôt de votre marque va évoluer en fonction justement du choix des classes. Je pense qu'il y a à peu près 8 classes, 8 ou 10 classes, je ne sais plus, à peu près 8 ou 10 classes. Il y a des classes de produits et il y a des classes de services, voilà. Les classes de produits sont, bien sûr, c'est la majorité des classes. Et voilà, et il y a des classes de services. Par exemple, si vous faites des services à la personne, des cabinets, d'avocats, voilà. Il y a différentes classes. Donc, c'est à vous de choisir ces classes. Et en fonction de cela, ça va vous coûter un prix défini. Voilà. Je ne sais plus combien ça va coûter en France. Honnêtement, je ne sais plus. C'est à vous de vérifier. Allez sur les sites en question. Je pourrais peut-être mettre un lien pour vous aider. Mais moi, je sais par exemple que
sans recherche, parce que moi, j'ai pas fait, j'ai triché, hein, j'ai pas fait de recherche d'antériorité, parce que moi, j'estimais que mon nom était trop original. J'ai seulement cherché sur Google, j'ai vu que non, Madeleine Casalis, là, il n'y a pas, personne ne connaît ça. Voilà, donc j'ai cherché, j'ai déposé mon, j'ai acheté le, j'avais le nom de domaine, pris un hébergeur, j'avais le site internet avant même d'avoir un seul produit. J'avais déjà déposé ma marque avant d'avoir un seul produit. Donc moi, ça m'a coûté, quand j'ai déposé à l'OAPI, ça m'a coûté à peu près dans les, on va dire 1000 euros, 600, à peu près 600, 700 000 francs CFA. Parce que bon, moi, j'ai déposé dans plusieurs marques, mais ça peut être beaucoup moins cher si vous décidez de déposer votre produit dans une seule catégorie, par exemple. Voilà, et ça m'a pris à peu près, il y a le certificat de dépôt, et ça m'a pris à peu près 2-3 mois, je pense, avant que, effectivement, effectivement, on me délivre justement une immatriculation avec mon dessin, avec ma marque, avec la précision, un numéro, avec la précision que tous les détails sur ma marque. Voilà, tous les détails sur ma marque. Donc, il faut fournir ça. Il y a un certain nombre de papiers qu'il faut fournir pour les Africains. Le siège de l'OAPI, c'est à Yaoundé, chez moi. Voilà. Donc, je pense que c'est déposé dans des pays, tous les pays d'Afrique centrale, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire. Il y a aussi les pays d'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali. Voilà, je pense que le Rwanda aussi vient d'entrer. Bref. Il y a à peu près une quinzaine, une vingtaine de pays où votre marque peut être protégée. Pourquoi cette protection est importante? Cette protection est importante parce que déjà, ça vous sécurise une partie des revenus. Si vous utilisez votre marque, déjà, ça garantit la sécurité de votre image. Parce que si quelqu'un commence à prendre votre marque, à faire n'importe quoi, si votre Nike devient Nike avec UUE, ça peut gâter un peu votre image de marque et c'est des sources de revenus que vous perdez en réalité parce que la contrefaçon, ben, écoutez, ça tue l'entreprise. Au lieu de manger, c'est quelqu'un d'autre qui mange sur votre dos. Je ne vous apprends rien, hein. Si vous copiez quelqu'un, vous copiez exactement le concept de quelqu'un et vous faites de l'argent sur son dos, vous n'en faites pas bénéficier le créateur dont la propriété intellectuelle est très importante. Et en Afrique, c'est un enjeu. Donc, vous pouvez aussi progressivement déposer votre marque dans des territorialités précises. Et lorsque vous développez, vous pourrez déposer aussi dans d'autres pays. Vous n'êtes pas obligé de déposer votre marque partout, dans le monde entier. Qui vous connaît, en fait? Personne ne vous connaît. On ne vous connaît pas. Donc, ça ne sert à rien de dépenser autant d'argent pour ça. Mais faites attention. Regardez. Mais c'est surtout... Pour moi, l'intérêt du dépôt de la marque, c'est surtout en termes de notoriété. Si vous avez vraiment, vous pensez que votre produit a acquis une certaine notoriété, a des projets très ambitieux, faites-le. Déposez votre marque. Et il faut aussi savoir que lorsqu'on est copié, c'est aussi la rançon du succès. On ne copie pas les derniers de la classe. Vous êtes au fond de la classe, là. Vous êtes nul, vous avez toujours 2,5/20, vous avez toujours demi, vous avez toujours 5/20. Qui va venir vouloir s'asseoir à côté de vous pour copier ce que vous faites pendant les devoirs? Personne. On essaye de copier les premiers de la classe. Si vous êtes bon dans votre domaine, dans votre secteur, les gens vont courir pour essayer de vous s'asseoir à votre banc parce que le contrôle là est très 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 chaud. Je parle à ceux qui ont triché à l'école là. Donc, c'est d'abord parce que vous êtes quelqu'un qui avait bien fait votre travail dans votre domaine d'activité que les gens vont commencer à se poser la question. Le gars là, il fait de l'argent. Comment est-ce que je peux faire pour copier et faire de l'argent? Voilà. Utiliser un produit contrefait. Maintenant, si vous êtes aussi créateur, inventeur, vous pouvez également déposer des modèles et des brevets. Donc, les brevets, bon, c'est tout un autre sujet. Peut-être que j'en parlerai une autre fois. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. À très bientôt.